Like
But today, mais aujourd'hui, it's a special day. C'est un jour spécial to every child of God, pour chaque enfant de Dieu, to the church of Jesus pour Christ. L'église de Jésus-Christ. You know why? Vous savez pourquoi? Pentecost, la Pentecôte, is not a celebration. Ce n'est pas une célébration. Pentecost, la Pentecôte, is life. C'est la vie. We live on Pentecost. Nous vivons dans la Pentecôte. Nous résidons dans la Pentecôte. Amen. Amen. Pentecost. La Pentecôte. Remind us how close we are to God. Nous rappelle combien nous sommes proches de Dieu. Without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, Christ is far from us. Christ est loin, est éloigné de nous. Without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, in your life, dans nos vies, Christ is far from you. Christ est éloigné de nous. Hallelujah. Amen. Without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, the church is a simple organization. L'église devient une simple organisation. Without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, the message we preach became a propaganda. Le message que nous prêcherons deviendra une propagande. Holy Spirit is inevitable. Le Saint-Esprit est inévitable. Any life of a Christian. Pour la vie de chaque chrétien. As you have heard this morning. Comme vous avez entendu ce matin. Hallelujah. Amen. When the message was going on, pendant que le message était en train de prêcher, et l'Esprit de Dieu déposait quelque chose dans he mon esprit, took me far to the book of Genesis. Il m'a amené très loin dans le livre de Genèse. In Genesis chapter 11. Dans Genèse chapitre 11. I saw people that were confused. J'ai vu des gens qui étaient confus. In the book of Genesis. Dans le livre de Genèse. And the voice of God began to explain. Et la voix de Dieu qui expliquait. Any life of a Christian. Chaque vie de chrétien. That doesn't have the Spirit of God. Qui n'a pas l'Esprit de Dieu. The Holy Spirit. Qui n'a pas le Saint-Esprit. The person is confused. La personne est confuse. You know why? Vous savez pourquoi? In Genesis chapter 11. Dans Genèse chapitre 11. God created these people. Dieu créa ce peuple. And he put his Spirit. Et il a mis son esprit and en eux. Journey. Et ils étaient pas en train de marcher. Somewhere. Ils étaient en train d'aller quelque part. Ils avaient une destinée. Ils avaient un projet. Ils avaient un plan. God was leading et Dieu est en train de and les conduire. When they came to the point, et lorsqu'ils sont arrivés en point, et ils se sont dit à eux-mêmes qu'ils n'ont plus besoin de l'esprit de Dieu. Qu'ils n'ont plus besoin de we Dieu. Want to do it qu'ils veulent faire de leur façon. The Bible says, et la Bible dit et ils ont décidé de construire. Ils ont commencé à construire. Not in God's way. Pas dans la volonté de Dieu. Of God had parce que l'Esprit de Dieu les a abandonnés. L'Esprit de Dieu les avait laissés. Say, et la Bible nous dit God saw them, et quand Dieu a vu cela, il a dit laisse-moi descendre de voir ce thing. Que ces gens sont en train de commettre comme erreur. Dépendant de leur they propre volonté. No one need me. Ils n'avaient plus besoin they de moi. They just want to do it in their own way. Ils voulaient faire selon leur propre volonté. Says, et la Bible dit God came, et Dieu est descendu and he et il les a confondus. Why? Pourquoi any life, chaque vie that there's no spirit of là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu confused. Il est confus a confused life et, là, et c'est une is vie confuse a life est une vie no spirit of sans l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Is our life partner. C'est notre partenaire de vie. Is our life wiper. C'est notre partenaire d'aide. Is our guide. C'est notre gardien. Is our God. C'est notre Dieu. He comes to glorify Jesus. Il est venu glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Amen. When we celebrate Pentecost. Lorsque nous célébrons la Pentecôte. We are celebrating the harvest. Nous célébrons quelque chose d'élevé. When Christ, Christ began to manifest, Christ commence à être manifesté. To draw all men to himself, et il amène tout en lui. Draw all souls to himself. Il amène toutes les âmes dans Holy son Spirit église. Le Saint-Esprit. Is not a festival. Ce n'est pas un festival. It's a life. C'est une vie. When your life is organized, quand ta vie est organisée, there is a Holy Spirit. Il y a le Saint-Esprit. When you are confused, lorsque vous êtes confus, there is no Holy Spirit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Praise the Lord. Louons l'Éternel. I want us to just worship God. Je voudrais que nous adorons l'Éternel ce matin. And praise this coming of the Holy Spirit. Et que nous louons ce Saint-Esprit. Our preacher this morning took us to different points. Notre prédication de ce matin nous a amené dans plusieurs différents points. That if the Spirit of God has spoken to you. Et si nous étions vraiment posés, le Saint-Esprit nous a parlé our ce life matin. Is nothing without our notre vie est inutile.
inutile sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. The darkness was on the surface of the earth. La, les ténèbres étaient couvertes au-dessus de la terre. And the Spirit of God. Et le Saint, l'Esprit de Dieu move. Se mouvait. Praise the Lord. Hallelujah. I want the Holy Spirit to move in your life. Je voudrais que le Saint-Esprit se mouve dans vos vies ce matin. Detect wherever there's darkness in your life. Et il détecte partout là où il y a les ténèbres dans vos vies. So that the light of Christ will reappear. Pour que la lumière de l'Éternel apparaît dans vos vies. When the Holy Spirit is manifested. Quand le Saint-Esprit se manifeste. Every mountain begins to run. Toutes les montagnes commencent à s'enfuir. Because it's coming to glorify Christ. Parce qu'il vient pour glorifier Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. Lift up your hands. Et levons les mains. And et adorons l'Éternel ce matin. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, be my comfort. See you.
Je ne sais pas quel jour vous allez prier. La Bible dit, they were 120 people. Ils étaient 120 personnes. And they went to the upper room. Et ils sont allés à la chambre haute. And locked themselves. Ils se sont enfermés. And began to pray. Et ils ont commencé à prier, à adorer Dieu. The Bible says, et la Bible dit, Suddenly, something happened. Quelque chose s'est produit. Listen to me. Écoutez-moi ce matin. I don't know your identity. Je ne connais pas votre identité. I don't know how people address you. Je ne connais pas comment les gens vous parlent. I don't know what people think about you. Je ne sais pas ce que les gens pensent vous concernant. But we need to pray. Mais nous devons prier. That any strange identity. Quelque sorte d'étrange identité. Be into your life. Qui se repète continuellement dans there vos vies. There will not be nobody. Somebody need to be shaken this morning. Quelqu'un a besoin d'être secoué ce matin. Something must shake out of quelque chose doit se secouer. There is something the Holy Ghost sees. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit doit shaking se every shackle of problems. Il doit secouer de tous les domaines de shaking vos vies. Every shackle of problems. Il doit secouer tous les domaines de vos vies. Everything that is not of God. Chaque chose dans vos vies qui n'est pas de Dieu. When he shake you this morning. Quand il vous secoue ce matin. Not Christ. Mais pour glorifier Christ ce matin.
Holy Spirit, Saint-Esprit, may you feel que tu nous remplisses ce every matin. Vessel is remplis chaque vase ici ce matin. This is your day. Ça c'est ton jour. And this is your time. C'est, et ça c'est ton temps. This is your hour. Ça c'est ton heure. This is your season. Ça c'est ta saison. Manifeste dans nos vies. Every life here today, que chaque vie ici présente soit remplie. Soit remplie. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, we break every nous brisons toute puissance de stérilité through the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. When you come, Holy Spirit, Saint-Esprit, quand tu viens, the story changes. L'histoire change. Destiny are restored. Les destinées sont restaurées. Every evil garment shall be removed. Chaque vêtement de deuil est ôté. Deception became a thing of the past. La déception est devenue une chose du passé. Holy Spirit, Saint-Esprit de Dieu, when you come, lorsque tu viens, our life became better. Nos vies changent. May the life of your people, que la vie de ton peuple be different. Soit différente. In the name au nom puissant de Jésus, transforme chaque vie. That distorted heart, let your peace begin for que ta paix, in the name of au nom puissant de Jésus. Que cette personne confuse, cette femme confuse, this morning, ce matin, Spirit of the Lord, Saint-Esprit de Dieu, take over our heart. Prends le contrôle de son cœur. Hallelujah, Jesus. We give you glory. Thank you.
for me to be ready.